Regarde maman, elle a la sueur grave. Elle a la sueur grave, maman. Voilà, t'as vu ça? Eh, hey, sérieux, t'as vu? T'as vu? Non, mais est-ce que t'as vu? Est-ce que t'as suivi? Oui. Attends, je vais recommencer, j'adore, je m'éclate comme une folle là. Dans notre maison et on a emmené avec nous quelque chose d'absolument extraordinaire. On a emmené Jester Boutique et Monsieur le drone télékinétique. Voilà, le drone télékinétique Aura. C'est un drone vraiment mais incroyable. Fantin, toi tu adores ce jouet. Je sais même pas si on peut parler de jouet à ce niveau-là parce que en fait c'est un drone qui se pilote d'une façon super particulière. Alors bien sûr, vous êtes sans doute nombreux à avoir déjà testé des drones. On n'y arrive jamais, c'est très très difficile à manier. Souvent on n'y arrive pas parce que ça marche avec soit une... télécommande et le drone est trop réactif et dès que tu bouges c'est vous. Voilà, ou alors c'est avec un smartphone. Enfin pour moi qui suis un peu nulle en technique, c'est toujours très compliqué. Et là c'est un drone qui marche sans télécommande, qui marche sans smartphone. Donc en fait ce drone télékinétique il se pilote avec quoi Fantin? Tu peux tenir le gant. Ouais je te le tiens. Et avec ça. Avec un gant, juste avec la main, vous bougez la main, c'est ça Fantin? Oui, par exemple tu la bouges vers là, il va vers là, et là tu vas comme ça, il va vers là-bas. Alors pour ceux qui se demandent comment le monter et le descendre, vous avez juste à faire comme ça. Pour le monter, c'est comme ça. Et pour le descendre, c'est comme ça. Et à gauche, à droite, c'est comme ça. À gauche, à droite, devant, derrière. Ok. Imaginons, là, il n'y a plus de batterie parce que la lumière clignote en rouge. Vous appuyez là et là-dedans, ça va transférer... la batterie va aller là-dedans parce que là c'est une batterie de recharge. Donc ça se charge sur l'ordinateur, voilà. Alors là c'est la batterie, hein, elle s'enlève très facilement. Et ensuite on le charge également sur l'ordinateur. Je vous montre la boîte parce que c'est un de nos jouets chouchous de ce mois-ci. Il y a beaucoup de drones sur le marché, mais celui-là, honnêtement, la famille des mots jouets l'a adopté parce que c'est un jouet qui est facile à utiliser, qui est très sympa. Et voilà, donc le drone Jester Robotics Aura, on valide. Jester Robotics. Bon, allez, on va montrer comment ça fonctionne. Qu'est-ce que tu fais, Fantin? Donc là, tu l'allumes, d'accord? Oups. Et donc, le gant, cherche, c'est ça? C'est bon. Oh là là, heureusement que les plafonds sont hauts ici. Hein. Il peut voler à quelle hauteur? 2 mètres. 2 mètres, 2 mètres 50, il me semble, non? Oui, 2 mètres 5. Ah oui, c'est vrai, il y a Coco qui dort là. Oh là 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 là. Oh là là! Oh, atterrissage sur le lit! Ah, génial! Oups, il s'est pris la vitre. Ah oui. Allez, on va essayer de changer de pièce. Ouais. Hein? Donc je te suis. Décollage immédiat! Oh là là, ouh. Bon alors c'est les débuts hein, de Fantin, mais c'est déjà des jolis débuts. Regardez comment il fait avec sa main. Alors on va faire, je crois, un looping, si ça marche. Un looping? Wow. Faut pas que je loupe. Faut pas que tu loupes le looping, non, effectivement. Vas-y. Ah, mais tu t'es attaqué. Mais ça va pas. Le drone mais qui attaque la caméra. Elle a fait comme ça, elle a fait... Ouais, il a attaqué ma caméra. Mais c'est pas un looping, ça. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer, exactement? En fait, c'est justement ce que j'ai fait. J'ai fait ce que je voulais montrer, comme ça. Ah d'accord, c'était ouais, pas... Non parce qu'un looping pour moi c'est quelque chose qui se retourne sur lui-même. Ouais. Alors ce qui est pas mal, c'est que vous voyez que ça marche quand même assez facilement. C'est assez sympa. Après bon, il faut de l'entraînement bien sûr, mais déjà c'est pas mal parce que...
Oh là, il va dehors? Bah oui, il va dehors. Mais normalement, il n'est pas censé marcher dehors, non? Faire atterrir, vous pouvez faire comme ça. Comment? Appuyez sur la manette, là, avec le pouce. D'accord. Ah oui, d'accord. Et là, il descend. Allez, à moi, je vais essayer. Tu vas me montrer comment on fait, Quentin. Okay. Je vais essayer. Maman va essayer de piloter le drone. Oh là là, je m'éclate. Regarde, maman, elle a la sueur grave. Elle a la sueur grave, maman. Voilà, t'as vu ça? Eh, sérieux, t'as vu? T'as vu? Non, mais est-ce que t'as vu? Est-ce que t'as suivi? Oui. Attends, je vais recommencer. J'adore, je m'éclate comme une folle, là. Oh là là, je suis magicienne. C'est pas mal pour un début, non? Vous trouvez ouais. pas ouais, voilà, c'était la démo du drone Aura télékinétique et de Monsieur Jester Bob. Bien, c'est Jester Boutique. Jester Boutique. Ouais, c'est vraiment un super jouet. Qu'est-ce que t'en as pensé, Fantin, franchement? C'était trop bien. Ouais. Après, il est assez facile à manier. Ouais. C'est assez facile à manier par rapport aux autres drones qu'on peut voir n'importe où. Et ben voilà, on vous fait à tous de gros bisous. On vous dit à très bientôt. Abonnez-vous, partagez, petit pouce bleu, petit commentaire. Voilà. Oh, mais je le connais, lui. Voilà, c'est notre coco bavard. Bon bah allez, on vous dit à tous gros bisous, c'était notre coup de cœur ce drone, on avait envie de le partager avec vous, dites-nous si ce que vous en avez pensé. Voilà, et puis on vous met un lien aussi dans la description de cette vidéo pour vous dire où acheter ce magnifique drone. Bisous bisous. Ciao ciao. Adios.